Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie a été jouée par Bakounine contre Bronstein au 32e championnat du RSA de 1964 et le très haut tournoi. Alors, les Noirs jouèrent l'excellent coup fou des trois. Ce coup sert à dévier la dame blanche de F2, de la protection de F2, tout en ouvrant la colonne G, en retirant le fou, simplement, à la tour G8. Il jouait ainsi dame prend D3. Il s'ensuivit alors l'attraction du roi par tour G1, échec. Roi prend G1. Et s'ensuivit alors un échec à la découverte, E2, échec. Un très très bon coup, puisque le pion maintenant ne peut pas être pris, puisque le roi est en échec. Si maintenant les blancs jouaient roi H1, alors il s'en suivrait dame F2, dame F5, échec, ou simplement si tour prend E2, alors dame G2, dame prend F1, échec et mat, tout simplement. Et sur dame F5, échec, alors roi B8, dame prend H3, et tour G8, à nouveau très bon coup, qui gagne. Dans la partie, après fou D3, dame prend D3, tour G1, échec, roi G1, E2, échec, les blancs tentèrent encore cavalier E3 pour bloquer l'accès à la dame, mais alors les noirs jouèrent tour prend E3, dame F5, échec, et tour E6, échec à la découverte. Et après roi H1, dame F2, et les noirs et les blancs abandonnèrent. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.